Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Les sites de vente en ligne ont durant cette crise sanitaire bouleversé complètement le fonctionnement traditionnel du marché sur lequel ils avaient déjà pris de l'avance. L'un d'entre eux, Amazon, est devenu l'une des sociétés les plus valorisées du monde. Face à cela, les petits commerces souffrent terriblement pour se maintenir. Certains doivent déposer le bilan, faute de pouvoir se relever, certains commerçants en arrivent même au suicide. Nous aurons comme invité cette semaine le Rav David Tuitou ainsi que Jérémy Berébi. Jérémy Berébi, y a-t-il un problème au niveau des vendeurs sur Internet, des grandes sociétés telles que Amazon, Alibaba, AliExpress, de briser complètement les prix au point que les petits commerçants ne peuvent même plus suivre, quoi. Alors déjà, leur intention n'est pas de casser les petits commerçants. Leur intention, c'est d'attirer les clients. Dans le judaïsme, il a toujours été clair que le client est au centre de tout. C'est-à-dire que la compétition est toujours recommandée. Pourquoi ? Parce que ça amène plus une meilleure qualité de service. Et deux, ça fait réduire les prix. Maintenant, il y a des choses qui sont interdites par la halakha, qui seraient de faire exprès, par exemple, de faire du dumping de prix pour, en attendant de tuer le client. Il faut savoir que dans les années 2000, dans le monde de l'Internet, les sociétés qui se créaient étaient toutes en train de faire des prix, de vendre à perte, en attendant que leur concurrent allait mourir. Donc c'était celui qui allait tenir le plus, et quand le concurrent mourait, ils augmentaient les prix. Ce n'est pas le cas du tout chez Amazon aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas chez AliExpress. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut vendre sur Amazon, n'importe qui peut vendre sur AliExpress, n'importe qui peut vendre sur des centaines de ce qu'on appelle marketplace, places de marché, qui se trouvent sur plein de sites. Donc aujourd'hui, dire que les sociétés de l'Internet tuent les petits commerçants, c'est une erreur, puisque les petits commerçants ont parfaitement la possibilité de vendre sur Internet. C'est-à-dire qu'ils auraient dû prendre les devants, quoi. Alors, comme dans n'importe quel métier, il faut se former tout le temps. Le virus a mis en exergue un retard qu'avaient beaucoup d'entreprises et qui n'avaient pas encore pris le tournant de l'Internet. Beaucoup parce qu'ils ne savaient pas comment faire, alors qu'aujourd'hui les outils sont pourtant de plus en plus simples. Mais en tout cas, il est extrêmement facile aujourd'hui de vendre sur Internet, aujourd'hui de mettre en place un site Internet, de livrer par Internet, d'avoir accès à du trafic qui est gratuit, puisque Amazon, AliExpress, etc. amènent du trafic. Donc n'importe qui aujourd'hui peut vendre sur Internet. Donc effectivement, une petite boutique qui n'était pas prête à ça et qui pensait que tout allait bien et que le marché allait continuer comme ça, je les compare presque aux vendeurs de charbon, aux charbonniers d'il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le train au bon moment. Et là, malheureusement, ça a été un peu le coup de semonce. Donc ça voudrait dire quoi ? C'est Amazon irréprochable ? C'est qu'Amazon, et comme tous les propriétaires de marketplace, ont le plein pouvoir sur leur place de marché. C'est-à-dire que moi, je connais des gens, et même des gens très proches de moi, qui sont en ce moment en procès contre Amazon, qui les ont virés en un instant de leur place de marché pour des raisons qui ne sont pas très compréhensibles. Donc en fait, c'est le fait qu'il y ait des gros monopoles, des grosses entreprises comme ça qui arrivent justement à prendre des grosses places de marché, pose problème à long terme. Mais au final, pour le client, ça se passe très très bien. Merci Jérémy. Selon ce qu'il vient de nous expliquer, Rav Tuitou, on se retrouve dans une situation où le client est roi par rapport à ce qui est de la concurrence. C'est bon. Est-ce que nous, au niveau de l'éthique juive, on a un rôle à jouer de devoir les aider malgré tout, ces petits commerçants ? D'abord, j'aimerais dire une chose très importante, c'est que dans les temps modernes, tout à l'heure, Rav Berébi disait aujourd'hui, il faut un petit peu se moderniser par rapport à l'effet charbon que Valzeno Nachron. Vous savez, quand on va au café et qu'on commande un café qui nous coûte 12 shekels, le café, en réalité, il coûte même pas 50 centimes de shekel, et en fin de compte, on va payer 12 shekels parce qu'on va payer la terrasse, parce qu'on va payer un environnement, parce qu'on va payer une situation qui nous fait un peu sortir, changer le nofesh, c'est-à-dire le lieu. Et je trouve que ce qui est à prendre en premier lieu, c'est l'effet de sortir en famille, d'essayer les vêtements, de pouvoir, voilà, mon fils a commandé par Internet une paire de baskets qu'il a payé extrêmement cher. Elles arrivent, la taille, c'est pas la sienne. Il sait pas quoi en faire parce que les renvoyer prendrait trop de temps. Donc, il va quand même les garder ou les vendre ou essayer de les donner. Voilà, on retourne un petit peu dans un manque de charme qui, à Baruch HaShem, je dirais, dans le domaine social, était extrêmement important au sein de toutes les familles. Sortir ensemble, essayer, faire des comparaisons, voir les prix. Et tout ça, tout ce charme aujourd'hui disparaît à travers un écran. Et je trouve que c'est dommage parce que pour moi, c'est irremplaçable. Et en ce qui concerne, eh bien, la jungle dans laquelle les commerces se lancent sans trop de risques, eh bien, oui. Pour moi, c'est un acte de bravoure de pouvoir le faire. J'ai appris de mon Rav qui un jour, d'ailleurs, Rabbi Moshe Deri et moi, nous étions en train de marcher, puis il est rentré acheter quelque chose. Et je lui ai demandé s'il avait vraiment besoin de cela, dans une boutique juive. Et il m'a dit non, j'en ai pas besoin. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous l'avez acheté? Il m'a répondu parce que
Je l'ai regardé, ça fait longtemps qu'il n'a pas vendu quelque chose. Il serait temps de lui donner le sourire. Je pense que, pour conclure, en allant un peu chercher ce charme, j'ai du mal à le dire, donc il serait bon, Bezrat Hashem, dès que ce soit possible, non seulement d'aller faire nachat ruach à tous ceux qui ont pris des risques pour nous plaire avec de belles vitrines, et en même temps retrouver un petit peu l'effet social qui manque de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui. Alors justement, Jérémy Brebis, l'État qui est à la source de ce confinement, a-t-il une obligation, comme beaucoup de gens se sont plaints pendant les manifestations, de devoir aider ces commerçants, aider ces gens-là en difficulté, ou non, étant donné qu'eux, ils doivent gérer une crise sanitaire, même si c'est au dépit justement du découvert de beaucoup de gens, et ben malgré tout, ce n'est pas leur devoir. Alors déjà, l'État n'est pas à l'origine du confinement, c'est un virus horrible qui est à l'origine du confinement. Maintenant, l'État effectivement a décidé de faire un confinement qui est plutôt bénéfique maintenant pour la santé de la population israélienne, donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ces choses-là. Maintenant, il faut savoir que les impôts sur le revenu, il y a 100 ans, étaient entre 5 et 10% des revenus des gens. Aujourd'hui, on atteint 49-50% des revenus. Quand un État commence à prendre effectivement une place importante en demandant beaucoup d'impôts à sa population, il doit prendre donc effectivement un rôle un peu plus important et doit à ce moment-là aider les gens. Maintenant, il faut savoir, en France, on est habitué à ce que l'État fasse tout. D'accord ? L'État s'occupe de la santé, s'occupe de l'éducation, s'occupe de l'ensemble des choses, l'État doit tout gérer. En Israël, ce n'est pas le cas, et cela n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'en Israël, ce sont les associations privées qui prennent toujours le relais à chaque fois qu'il y a un problème, des problèmes sociaux, des problèmes médicaux, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas justement un problème, ça C'est un problème. Moi, je vois ça comme une bonne chose, c'est qu'on est Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire que tous les Juifs, on est tous ensemble, on forme tous un peuple, et donc on a tous un rôle à jouer pour participer à ce produit, à ce pays. J'ai fait une erreur, mais c'est vraiment ça. C'est en fait, on fait partie d'un tout. Et donc, l'ensemble des associations et l'ensemble de la population doit participer à tout ça. Maintenant, on ne peut pas compter sur l'État pour sauver ces petits commerçants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y arriveront pas. On ne peut pas compter sur l'État. On peut compter sur l'État pour effectivement aider certaines personnes à payer une formation pour se reformer, etc. Mais les déficits pour les entreprises et pour les professions libérales des derniers mois ne sont pas rattrapables. On imagine mal les États donner 100 000 shekels à chaque entreprise. Ce n'est pas possible. Donc même si l'État a un devoir de le faire, nous, on ne peut pas compter sur l'État. Clairement, on ne peut pas compter sur l'État, comme on ne doit jamais compter sur l'État. On doit trouver d'autres choses, essayer de se reformer, essayer de se lancer sur Internet, malgré le fait qu'il manque le social, etc. Et Rav Twitou a parfaitement raison. Mais c'est là-bas que se trouvent les clients. Essayer de se reformer, d'essayer de passer à une étape qui va nous permettre de survivre maintenant, mais aussi de survivre, Ras v'Shalom, on n'espère pas, des prochaines crises potentielles. D'accord ? On ne sait pas combien de temps va durer tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire tout seul et on ne doit pas attendre de l'État d'avoir à un moment une bouée de secours. Rav Twitou, vous voulez nous faire partager votre avis ? Moi, je dirais simplement en une phrase que quand on veut sauver la vie de quelqu'un, on ne lui propose pas ou le saut de l'immeuble ou la pendaison. C'est-à-dire qu'en voulant des fois essayer d'éviter à des gens de mourir de ce virus, malheureusement, on ne peut pas les jeter vers une autre mort, comme dit la Gemara, et Ani Chashuv Kemet, le pauvre est considéré comme mort, et qu'il est du devoir aujourd'hui de l'État de participer de façon exceptionnelle à cette crise sur laquelle nous nous trouvons tous, car il en revient d'Afka de la reprise économique qui réenflouera les caisses. En d'autres termes, je pense que si l'État d'Israël aujourd'hui prenait vraiment conscience dans l'action, non pas dans le pourparler de la crise dans laquelle se trouvent les gens, où on n'a jamais enregistré un taux de suicide aussi important que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je pense que c'est un acte de nécessité absolue, plus important aujourd'hui que toutes les autres négociations qu'on puisse trouver, les investissements qui ont été faits dans le gaz, les diamants ou le pétrole. Je pense qu'aujourd'hui, la vie humaine doit être la première priorité. Je vous affirme que la situation en Israël commence à devenir dramatique, même si derrière, il y a un plan divin qui nous amènera à une grande réussite. Merci Rav. On passe au deuxième sujet. Les séries et films dénigrants sans ménagement et caricaturant le monde religieux tels que Kadosh, Unorthodox, ont des taux d'audition spectaculaires en Israël, aux États-Unis ou en Europe. Pour les médias, les personnes sorties du monde orthodoxe sont systématiquement représentées comme des exemples. Alors qu'aux antipodes, le retour à la religion n'est jamais traité médiatiquement, bien que le phénomène de tchouva soit indéniable et révolutionnaire en qualité ou par le nombre. Alors Rav Twitou, justement, je voulais vous demander à votre avis, quel est l'objectif de tous ces réalisateurs de séries, de télé, d'émissions clairement anti-religieuses ? Pourquoi toute cette image va seulement dans un sens ?
D'abord et avant tout, je pense que toutes ces séries, comme on peut le constater dans les pays américains qui font un buzz en ce moment sur le domaine orthodoxe, qui ont fait des caricatures, je dis bien des caricatures, même si les histoires sont un peu plutôt vraies, sont vraiment canalisées pour un message universel. C'est que je pense, je dis bien je pense, en tout cas à travers mes expériences et mes discussions, qu'il y a une recherche aujourd'hui du spirituel. Tout est mis en avant, que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme, on peut dire que les trois grandes religions sont vraiment au devant de la scène et qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, un peuple qui revient sur sa terre, on parle beaucoup des rabbins, on parle beaucoup du monde de la Torah, on parle beaucoup du Kotel, du mur des lamentations. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'avancée un petit peu messagère du monde de la Torah orthodoxe qui fait peur, qui est sectaire, qui est mafieux d'une certaine façon, où le silence doit être absolument protégé. Et que d'être un juif orthodoxe, c'est quelqu'un d'immoral, de sale. C'est un peu un message qu'on veut faire traverser aux nations du monde pour dénigrer la vérité, pour dénigrer un système qui tient depuis 2000 ans, depuis la disparition du temple. Eh bien, Ezrat Hashem, qu'on le reconstruise bientôt. Et ce côté médiatique marche très très bien parce que ces séries s'adressent à des gens qui la regardent pour d'une certaine façon se complaire au niveau de la conscience de leur côté peut-être réformiste, libéral ou autre, en disant que moi je suis peut-être pas religieux, mais en tout cas moi c'est l'idée que j'aurais eue si je n'étais pas religieux et que je verrais ces scènes qui nous sont apportées par écran aussi facilement de la femme malheureuse qui doit fuir et qui est ramenée par des orthodoxes. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas juste une dénonciation comme il le prétend dire, mais il y a une volonté, il y a un véritable message. Absolument, il y a un véritable message anti-Torah, anti-orthodoxe, qui vient réconforter, je dirais, la médiocrité spirituelle de certaines personnes qui se complaisent de regarder ces choses-là en disant, tu vois, moi je ne suis peut-être pas l'anida, je n'ai peut-être pas la tête couverte, mais jamais je ferai des choses comme eux, ils le font. Mmh. Alors que cette image qu'il aurait présentée est très, très, très loin, et faites attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais les achuzim, les pourcentages sont tellement ridicules que d'en faire une caricature dans le sens où on veut en faire une généralité à un point où, eh bien, quand on voit aujourd'hui un orthodoxe, on voit un pédophile, on voit un homme à femme, on voit un hypocrite, on voit un homme à caractère animal, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a toujours du bien et du mauvais partout, mais pas au point d'en faire un film pour le présenter, représentant la chassidoute, qu'elle soit de Gour, Breslev ou autre, telle qu'en tout cas ça va être présenté. Des hommes représentant Dieu avec un caractère animal. En fin de compte, voilà, on a trouvé des pédophiles chez les chrétiens, on a trouvé des pédophiles chez les juifs, on a trouvé des gens immoraux chez les musulmans, des gens immoraux chez les bouddhistes ou dans les sectes. En fin de compte, on est tous pareils. Voilà, moi, exactement comment je conçois ce message qui est très universel, qui est très libéré par des dialogues à esprit ouvert, mais qui en réalité sont des coups vaches. Très vache, parce qu'on utilise les réseaux sociaux, le monde des valeurs, pour dire en fin de compte, nous, on n'est peut-être pas comme ça, mais on vaut mieux que ça. Ne croyez pas que d'être un juif orthodoxe ou un homme qui respecte la Torah, c'est mieux que quelqu'un qui a Dieu dans son cœur. Alors justement, Jérémy Bérébi, je voudrais rebondir sur les paroles du Rav Tutu. Dans la dernière émission où vous étiez présent, vous avez expliqué que l'objectivité médiatique n'existe plus à l'heure actuelle. Comment les téléspectateurs doivent-ils voir ou prendre du recul face à ce type d'émission, ce type de série? Alors déjà, l'objectivité médiatique n'existe plus sur n'importe quel sujet, comme on l'a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement vis-à-vis des religieux, mais dans n'importe quel sujet. À chaque fois que vous voyez une émission parler sur un sujet, vous ne devez pas prendre ça pour argent comptant. Et en général, vous devez même vous dire, attention, il y a un message qu'on essaie de nous faire passer. Et en général, ce message, c'est quelque chose qui a été fixé à l'avance. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes ont un angle d'article quand ils commencent à écrire. Ils disent, voilà, je veux montrer que les orthodoxes aujourd'hui sont plus malades que les autres, par exemple. Et donc, ils vont tout faire pour interviewer les bonnes personnes pour montrer que les orthodoxes sont plus malades que les autres, alors qu'on pourrait trouver des gens qui prouvent le contraire. Donc, en fait, il faut être très clair. Quand on regarde un média, on doit se dire, en général, ce que je regarde, c'est faux. Donc, on regarde un média pour dire d'entrée, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un angle, on est en train de nous faire passer un message, etc. Donc si je regarde les médias en tant que divertissement, parce que j'ai rien à faire, parce que je n'ai pas encore étudié la Torah, parce que les gens qui étudient la Torah n'ont jamais rien à faire, donc à ce moment-là, je me dis, je suis en train de regarder des choses. Et à ce moment-là, je passe le temps, mais je sais que les choses ne sont pas censées me transformer. Et ça, c'est aussi une erreur. Ça. Je pense que ça ne transforme pas, mais mon avis est complètement transformé par ce que je vois, par les gens que je côtoie du matin au soir,
qui sont les présentateurs de télévision et les films que je peux regarder. Donc en fait, quand on regarde quelque chose, on doit effectivement prendre un recul énorme. Maintenant, quand on parle de séries qui sont faites pour montrer des choses mauvaises, d'accord, pour montrer le mal dans une communauté orthodoxe, ben, avant de voir cette série-là, moi je pense qu'il est complètement interdit de voir ce genre d'émission-là, mais avant de voir ces choses-là, il faut voir qu'est-ce que le monde orthodoxe, comprendre a priori de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Dieu merci, on a Torah Box pour comprendre qu'est le monde orthodoxe, donc passez du temps dessus, regardez ce que c'est, regardez les bonnes actions, etc. Et après vous regarderez effectivement un fait divers, et là vous pourrez vous dire, bah, ça n'a pas l'air de correspondre à tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Mais en général, les médias, les séries sont là pour faire du buzz et pour faire mettre le feu. Parce que c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui attire la population. Mmh. Et donc voilà, donc on ne peut pas se retrouver avec la vérité en face quand on est là avec une série qui est là pour effectivement allumer les téléspectateurs. Merci Jérémy. Justement, Rav Tuitou, est-ce que le monde religieux a le devoir de réagir face à ces moqueries, face à ces attaques, ou non faire abstraction de ça? D'abord et avant tout, réagir, oui, il faut savoir réagir, mais une fois de plus, c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire que donner trop d'importance parce qu'on va réagir, c'est peut-être allumer une espèce de lumière pour que les gens viennent voir de quoi est-ce qu'il s'agit. De l'autre côté, ne pas réagir, c'est considérer qu'on se sent pas concerné par le déshonneur qui est fait au sein de notre Torah. Alors ça dépend aussi de quel film on parle. S'il s'agit de l'émission américaine ou de la série américaine où on parle des gourous ou des vijnitz ou autres, au sein d'une famille, alors je ne vais pas réagir dans le domaine de la rue, mais je vais réagir dans le domaine de la réaction si on en parle. Je vais tout de suite intervenir pour expliquer que vous ne connaissez pas ce mouvement. Ce que vous avez vu, c'est peut-être rêvé, mais il s'agit d'un tout petit pourcentage. Mais quand il s'agit par contre de l'honneur de nos avotes, de nos pères, de nos mères, de Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, quand on parle de David Ameler ou de Esther Amalka... Comme ça a pu se passer pour Yehudim Baim. Exactement, comme cette série qui est sortie. Là, c'est l'honneur de la Torah qui est touché. Et quand il s'agit de l'honneur de la Torah, nous avons le devoir de réagir. Alors certes, pas en allant casser, détruire ou blesser quiconque, mais de réagir en tout cas par des courriers, par des manifestations, qu'en tout cas dans le pays, on sache que on est vexé, on est touché et on a mal de cette insulte qui est faite à notre Sainte Torah. Et nous avons le devoir de réagir, je l'ai dit bien encore une fois, sans blesser quiconque, mais en tout cas en faisant entendre à toutes ses oreilles que quelque chose de grave est en train de se passer, parce que si le peuple d'Israël a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ces racines qui nous tiennent, malgré toutes ces périodes difficiles à travers l'assimilation, le retour en Israël, cette reconstruction de la nation juive sur sa terre. Et ce qui fait le plus de mal, c'est que ça vienne de nous-mêmes. Donc comme c'est bien de nous-mêmes et qu'on a confiance en l'âme du juif, je pense qu'un message, je dirais très uni, très important, fera amplement l'affaire pour faire comprendre que non seulement nous sommes contre ce genre de série, mais de qui plus est, même vis-à-vis d'Hachem, de faire comprendre à tout le monde que Bémet, ça nous fait mal quand on touche à notre Torah. Parce qu'il n'y a pas de différence, je finirai avec cette phrase avec ta permission, entre jeter un Sefer Torah pareil et d'avoir fait de David Ameler un homosexuel, tel que dans les séries, ils veulent le montrer. C'est une honte, et j'espère qu'on aura le temps de faire teshuva avant la Géoula. Merci Rav, merci Jérémy Berabi. Qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem, à la semaine prochaine. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.